Dans une maison où vous habitez, comment vous appelez des intrus à s'introduire dans votre maison lorsque vous posez ces actes? Voilà. Il arrive souvent que quand tu cuisines, tu chantes. On ne chante pas quand on cuisine. On est concentré quand on cuisine. On prie pour que la nourriture soit une source de paix pour la maison. Et ça doit se passer dans un calme. Musique, les discordes. Je vous dis, vous pouvez remarquer ça vous-même, ça va vous dépasser. Parlons un peu de lorsque vous chantez, lorsque vous êtes en train de vous laver. Ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus. On ne chante pas pendant le bain. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais remarquez, après le bain, quand vous avez fini de vous laver, c'est parfait. Regardez les semaines qui vont suivre. Vous-même, vous serez dépassé. La musique réjouit le cœur. On écoute la musique lorsqu'on est assis, lorsqu'on médite, lorsqu'on est couché, lorsqu'on est souffrant, lorsqu'on a des douleurs, lorsqu'on est triste, lorsqu'on a reçu une mauvaise nouvelle. On est calme, on écoute la musique pour se détendre. Mais lorsque vous prenez le bain, vous ne pouvez pas écouter de musique. Vous ne pouvez pas écouter de musique. Lorsque vous prenez le bain, vous ne pouvez pas écouter de musique. Vous allez attirer tous les... Lorsque vous cuisinez, alors eux, ils vont venir, ils vont profiter. Pour sortir de cette situation, mettez une musique qui vous plaît. Vous allez oublier vos problèmes. Si vous avez des douleurs et vous souffrez quelque part, mettez la musique. Vous allez oublier la douleur. Si vous n'arrivez pas à dormir et que votre sommeil a du mal, ou vous dormez et vous vous réveillez en sursaut, mettez de la musique. Vous allez voir, non seulement votre esprit va se détendre et vous allez commencer à pouvoir dormir. Mais mettez une musique adaptée à vous, que vous aimez. Mettez la musique lorsqu'il y a des discordes dans la maison. Les tensions commencent dans la maison. Mettez une musique qui va attirer votre attention au niveau... Ça veut dire que ça va détendre tout de suite votre esprit. Mais je vous dis, c'est la vérité. Lavez-vous un peu. Nettoyez-vous. Débloquez-vous. Dieu a mis tout dans la nature. Mais à quel moment écouter la musique? À quel moment? Et quel genre de musique aussi? Parce qu'il ne faut pas aller prendre une musique qui va vous attrister. Écoutez la musique qui vous éveille et qui vous détend. Mais si vous prenez une musique qui vous attriste, alors vous allez attirer la tristesse. Il faut prendre une musique qui va vous donner un peu de joie et qui va même vous faire danser. Mais lorsque vous êtes habillé, voilà. Jamais quand vous n'êtes pas habillé, il ne faut pas faire ça. Ça va favoriser l'entrée des esprits qui vont profiter sérieusement de vous. Parlons un peu de la musique que vous écoutez pendant un voyage. C'est fabuleux. Ça détend l'esprit. Ça permet de vous reposer et de faire un voyage agréable, moins tendu, à moins de tension. Cette vidéo vous a plu? Ça a été un réel plaisir de le partager. Partagez les vidéos, abonnez-vous et surtout appréciez les vidéos.